raconter une histoire, le conteur se prépare. Il s'échauffe. Thank you.
compter, doit pouvoir compter sur sa voix. Ya, oh ya. Ya. D'une petite fille qui s'appelait Mila. Avec son grand-père, qu'elle aimait énormément, elle faisait de longues promenades dans la forêt. Puis, quand ils étaient fatigués de marcher, ils se reposaient au pied d'un chêne, dans une jolie clairière traversée par un ruisseau. Mila connaissait, grâce à son grand-père, le nom de tous les arbres. Et elle avait inventé une chanson qu'ils chantaient tous les deux en revenant de leur promenade. Mais si, Mila, tu pourras me parler. Je ne pourrai pas te répondre, mais je pourrai t'écouter. Était-ce vraiment possible? Mila ne demandait qu'à le croire. Personne ne peut t'expliquer. Et des questions que l'on se pose.
La maman de Mila lui dit que son grand-père était parti pour un très long voyage. Et qu'il ne reviendrait pas avant longtemps. La petite fille comprit ce que cela voulait dire. Mais elle ne pleura pas. Ce qui étonna beaucoup ses parents. Tu as vu, elle ne pleure pas. C'est vrai, elle ne pleure pas. Mila ne pleurait pas. Car elle savait où retrouver son papy. Garçon, mais quel est-ce que vous faire?
détruit son arbre. Que va devenir mon arbre? C'est vrai, son arbre. Qu'allait-il devenir? Mila se souvenait d'une promenade. Pendant laquelle? Son grand-père lui avait dit. Regarde ces arbres, ma petite fille. Certains d'entre eux seront un jour des meubles, des instruments de musique, ou encore la coque d'un bateau. Un bateau qui voguerait sur les mers. Et il avait ajouté un peu mélancolique. C'était mon rêve, quand j'étais enfant, de devenir marin. Yeah.
comme agneau.